La Star Academy, une aventure qui lui a permis de réaliser son rêve de vivre de la musique. Voilà bientôt 2 mois que Pierre Garnier a remporté la dernière saison de la Star Academy. Et depuis, le chanteur ne cesse d'enchaîner les apparitions, que ce soit sur scène ou lors d'interviews. Le 29 mars 2024, il était d'ailleurs invité dans l'émission Pépite, diffusée sur les ondes de RTL2. Une occasion pour lui d'évoquer sa nouvelle célébrité et son emploi du temps particulièrement chargé. On a 75 dates en tout avec la tournée Star Academy, on en a fait 7 qui se sont déjà très bien passées, a déclaré Pierre Garnier, avant d'ajouter « c'est cool ». On est content de voir les gens et ça se voit qu'ils sont contents aussi. On passe vraiment de bons moments sur scène. C'est le moment d'y aller, donc il n'y a plus qu'à. Le chanteur a ensuite été questionné sur l'enregistrement de son futur album qui, selon ses dires, ne tardera pas à sortir. Avec son planning particulièrement chargé tant avec la troupe de la Star Academy que tout seul, difficile d'imaginer Pierre Garnier sortir son premier album sous peu. Alors que certains auraient pu penser qu'il s'y attarderait une fois la tournée terminée, il a en réalité accéléré sur le projet ces derniers temps. Actuellement, le jeune homme enchaîne les séances au studio pour fournir un premier opus très prochainement à ses fans. Ça avance super bien. Je voulais être là dans toutes les étapes, que ce soit dans la composition, l'écriture et tout, et je suis très content du rendu qu'il y a pour l'instant. Il y a de belles choses et je pense que ça va être très chouette, a-t-il révélé, avant de faire une annonce inédite. Je pense que ce sera bon avant l'été. Je n'ai pas de date précise. Voilà qui devrait ravir ses nombreux fans.